c'est que il y a un coulage sans égal. Sans égal. Soyez concret, s'il vous plaît. Non, c'est-à-dire des fraudes partout, à tout niveau. Corruption partout, à tout niveau. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Et ça, madame, nous avons déjà commencé. L'auditeur est arrivé. J'ai déjà envoyé des gens à l'auditorat, ainsi de suite. Et les enquêtes sont en train d'être faites. Et ça, je préviens encore. Les gens peuvent penser. Donc vous voyez un peu l'image, vous voyez un peu l'image de ce qui se passe dans cette province ici. En temps normal, ça devrait atteindre. Non, mais 1 million, c'est rien. C'est 1 million. Ils payent un camion seulement. Un camion de carburant, d'essence, c'est 1 000 $. Et par jour, nous devons normalement, avec tout ce que nous avons comme information, je pense qu'on peut avoir même 30 camions. Vous prenez seulement les camions, vous n'avez pas moins de 900 000 dollars. Donc les services de l'État sont infestés. Non, mais c'est horrible, c'est ça que je vous dis, c'est horrible. J'ai parlé encore. L'administrateur militaire du territoire de Lubero, le colonel Bona, est dans une mission de service dans ce territoire. Il est accompagné du général Manchikla. Il va à la rencontre du chef rebelle de Maïmaï AFPP, le général Kabido Kasereka. La nouvelle autorité du territoire de Lubero concrétise la mission lui assignée pendant l'état de siège. Il veut mettre un fin à la sécurité dans les territoires qu'il dirige. Le FPP, l'un des groupes armés actifs à Lubero, vient désormais de manifester sa volonté de déposer les armes. Le colonel Dona, qui invite les autres groupes à quitter la brousse avant que la traque ne commence. Les volontaires pourront rejoindre l'armée loyaliste, explique le colonel. Comme on a peine de faire des choses, on a peine. Comme on a kata et des choses, on a couf. Oui, bah, bikoune bingine, mina bambia déjà. Apa mina sa déjà sa des sièges, mina sa kwa kabido. Kabido nzo ki kundu ya kabami. Apa mina mase na kabido. Est-ce que ki kundu ngouni ta chima mambele angu iku? Dans cette région vivaient plusieurs groupes armés, dont les plus fréquents sont le NDC de Guido et l'AFPP de Kabido. Ces deux groupes se disputent régulièrement le contrôle des villages de cette entité depuis très longtemps. Le FPP a même érigé son état-major en Poivignois, dans le territoire de Lubero, à environ 35 km de Kaina. C'est là que le colonel Dona, qu'on a surnommé Magufuli, accompagné de plusieurs autorités militaires que civiles, a rencontré Kabido. Ici, un accueil exceptionnel lui a été réservé. Cette volonté de déposer les armes a été saluée par la population d'Empoivignois. Elles disent être prêtes à collaborer avec les autorités militaires pendant l'état de siège.